Eh bien, d'abord, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de négliger aucune des formes de vulnérabilité qu'appelle le soin. Et donc, elles sont multiples. Quand j'ai lu votre question et que j'ai compris qu'il était question, évidemment, de l'institution hospitalière, j'ai pensé à tous les acteurs de l'institution hospitalière, c'est-à-dire les patients, mais les médecins, les aides-soignants, tout ça, voilà. Et chacune de ces fonctions dans l'hôpital génère ses propres formes de vulnérabilité. Et appelle effectivement une réflexion sur le soin qu'elle demandait. La deuxième chose aussi, mais ça c'est une discussion que nous aurons très souvent, c'est de faire attention au concept de compassion. Parce que la compassion, c'est évidemment une valeur, une vertu nécessaire, mais elle est aussi, en un certain sens, ambivalente. Il y a des formes de compassion qui peuvent être le masque d'une domination, le masque d'un pouvoir. Donc la compassion, elle peut être intrusive, elle peut être dominante. Donc ce serait ça, ce serait de ne pas prendre le terme de compassion comme allant tout à fait de soi et n'étant pas en réalité très problématique.